C'est un peu à contre-jour. Voilà. Bonjour à tous. Alors on se retrouve ce matin. J'ai encore un peu la tête dans le cul. Il est actuellement 7h22. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être un vlog où je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée dans ma journée d'au pair. Donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc du coup voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Donc là il est actuellement 7h22, c'est à peu près l'heure à laquelle je descends en bas et je vais voir... Où est la petite? Donc là je vois qu'elle n'est plus dans son lit. On va aller voir ça. Et donc du coup là ce que je fais en général c'est que je prépare son petit déjeuner. Et après elle s'habille et après elle va aller au centre aéré vu que c'est les vacances. Ils ont plus... Good morning Lizzie! How did you sleep? Do you want to say hi? Okay, this is Lucy. Can you say hi? Good morning. Donc du coup là j'ai de la chance parce qu'elle est de bonne humeur. C'est un grand plus pour ma vidéo. Do you want to watch your iPad with me? Okay. Why are you so silly? Silly? I'm not silly. It's okay. Okay, I'm gonna make your breakfast. Oh, donc du coup là elle a le droit de regarder son iPad pour le temps que je fasse son petit déjeuner. What happened, Lucy? Did you hurt your finger? I pinched my finger. Oh, let me see. Do you want a magic kiss? Elle pleurait, mais là, elle va mieux. Alors, donc là, du coup, elle me regarde en mode, qu'est-ce que tu fais? Tic, tic, tic. Et là, j'ai de la chance parce que je suis toute seule. Enfin, je veux dire, je suis toute seule dans la maison avec l'autre babysitter pour le bébé. Mais la grande, elle est en colonie de vacances. Excusez-moi pour les chiens, je vais aller ouvrir la porte. Hi dogs. Say hi to the camera, Momo and Nanas. Donc je disais que oui, la grande, elle est en colonie de vacances. Donc du coup, j'ai que la petite, donc ça va être plus simple. Tomorrow. But guess what? Today is the last day at camp. Donc du coup là je prends, alors je vais vous montrer. Je prends directement dans le lave-vaisselle propre une assiette pour son petit déjeuner. La plupart du temps elle prend des céréales. Donc je vais mettre un bol dessus. Ah oui, attendez, vu que sa couleur préférée c'est violet, je vais prendre, voilà, il faut penser à toutes ces petites choses là. Je vais prendre un bol violet. En général elle aime bien ce genre de petit yaourt. Je vais prendre le lait. Et ensuite, j'aime bien mettre un petit fruit. Donc, du coup, je vais mettre des fraises parce que je sais qu'elle aime bien les fraises. Je vais aller chercher les céréales. Donc, je lui ai acheté ses céréales préférées. C'est les Apple Jacks. What do you say, Lulu? Good job, Lucy. Après que j'ai fait son petit déjeuner, il faut que je prépare son lunch. Donc du coup, je mets un petit yaourt. Elle a des goldfish. Je mets tout ça ici. Et ensuite, une fois que j'ai fait son petit déjeuner, son sac, je vide le lave-vaisselle parce que la plupart du temps, c'est des choses des enfants. Donc du coup, c'est mon travail de le faire.
trop drôle. Donc là, du coup, vu qu'il est 8h, on part dans 40 minutes, donc je vais chercher ses vêtements. Parce que elle a la flemme de monter. Du coup, je vais chercher ses vêtements dans sa chambre qui sont prêts. Et comme ça, je vais l'habiller en bas et faire ses cheveux en bas aussi. Donc voilà ce qu'elle va porter. J'avais préparé ça hier. Donc un petit t-shirt avec des petites strawberries, un petit short. Ah oui, je pense pas que ça, elle va le porter parce que elle veut que je lui fasse des petites couettes. Donc je vais prendre sa brosse à cheveux, le spray et des petits élastiques. Je redescends en bas. Avec ça, je vais quand même prendre ça au cas où, si elle le veut, le produit pour les cheveux, et voilà. Little ponytails. Do you like it? Yeah. Du coup là, la petite elle est prête pour aller à l'école. Donc ce que je fais, vu que j'ai encore le temps, il est quelle heure? Là il est 8h18, donc vu que j'ai encore genre 20 minutes, quand j'ai le temps comme ça, ben je range la chambre et je fais son lit. Et donc là on passe dans ma chambre, comme vous reconnaissez, je vais allumer la petite lumière ici. Et du coup ce que je fais avant de partir également, c'est mon lit. Et ensuite, avant de partir, j'aime bien me brosser les dents aussi. Donc, on se retrouve dans ma salle de bain. Voilà. Du coup, voilà, je suis prête. Là, il est 8h36, donc on va partir. Mais il faut trop que je vous montre mes nouvelles petites sandales. Elles sont trop belles, je vous montre en détail. Du coup je vous mets la référence, c'est celle-ci. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos aussi. Je sais pas si ça va zoomer, mais voilà. Alright, see you later guys. Do you want to close your door? Yeah. Alright. Can you just close it a little bit? Ok. Donc là il est 8h45, donc on est dans les temps. We're not late, right Lulu? Not at all. Not at all. Là, c'est son école. Ah, the boys. Okay, let's go to the girls then. Wash your hands. Du coup voilà, j'ai déposé la petite à l'école et là j'ai quelques courses à aller faire. Genre acheter, c'est quoi que j'ai acheté? Ah oui, des pansements, des choses comme ça.
Et du coup, après, je sais pas trop ce que je vais faire, je verrai bien. Mais bon, dans tous les cas, je vous emmène avec moi tout au long de la journée. Parce que du coup, là, il est 9h et elle est au centre aéré jusqu'à 2h de l'après-midi. Donc, ça me laisse quand même du temps pour faire voilà, ce que j'ai à faire. Donc, du coup, voilà. Je l'avais vu, cette robe, elle est trop sympa. Ça, c'est bizarre. Ça, je l'ai. Je l'avais acheté, cette robe, elle est trop belle. C'est vrai que j'aime bien celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, après, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la porter. J'ai pris la robe. Je sais pas si je vais aimer, si j'aime pas, parce que là, j'irai la robe. Du coup, là, je suis partie à CVS. CVS, c'est la pharmacie, en fait, d'ici. Je sais pas si vous voyez bien, ma lumière, elle est un peu à contre-jour, je crois. Donc, du coup, je disais, oui, donc je suis partie à CVS pour aller chercher un médicament. Enfin, c'est ma pilule, en fait. Vous voyez, drive-thru pharmacie. Et donc, en fait, vous allez chercher votre médicament, là. J'espère que c'est ouvert. Thank you. You're welcome. Have a nice day. You too. J'ai trop chaud. Il fait 35-40 degrés maintenant. Du coup, j'ai clairement trop chaud. Mais bon, voilà. Du coup, je suis rentrée, j'ai rangé mes petites affaires. Acheter la robe. Et franchement, bon, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, pour quelle occasion, mais on sait jamais si j'en ai besoin. Et en fait, genre, elle est trop belle. Et c'est vrai que ça fait bah, même pour les fêtes, j'en sais rien, j'aurais une occasion de la porter quand même. Elle est trop belle. Et franchement, pour le prix, je l'ai payé 55 $. On dirait genre une robe de créateur. Je sais pas si vous allez bien voir. Je l'essaierai plus tard dans la journée parce que là j'ai la flemme de le changer. En fait, je sais pas. Non, en fait, j'ai envie de l'essayer là. Du coup, je vais l'essayer comme ça au pire. Si je vois qu'elle me va pas, bah, j'irai la rendre. Ouh là là. Bon, du coup, je l'essaye et je vous montre ce que ça rend. Bon, du coup, ma caméra n'avait plus de batterie. Du coup, je vais filmer avec mon téléphone le temps que la batterie se recharge. Je sais pas en fait quoi penser de la robe. Je crois que déjà elle est un peu trop grande en fait. Elle me va trop grande ici au niveau de la taille. Et je sais pas en fait. Genre c'est un peu trop ici. Non en fait j'aime pas. Je sais pas. Non c'est trop en fait. J'ai voulu essayer, je la trouvais belle mais ouais. Je vais aller la rendre. J'aime pas. Ah oui, je vous ai pas dit en fait sur YouTube. Alors attendez, je vais m'asseoir. C'est vrai que si vous me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs je vous le mets juste ici, n'hésitez pas à aller me rejoindre parce que en fait on a commencé avec mon copain à faire des recherches de maison.
Donc, on en a visité plusieurs jusqu'à présent. Et voilà, on a eu un coup de cœur pour une. On a d'ailleurs la réponse aujourd'hui, si ils vont être d'accord pour nous la vendre. Mais bon, comme on a su hier qu'il y avait 35 personnes qui avaient fait une proposition aussi, on est un petit peu sceptique. Mais bon. Voilà, et du coup voilà, ce que je fais aussi en ce moment, bah, c'est que je regarde sur le site, enfin sur l'application que notre agent immobilier nous a donnée pour bah, trouver une maison. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose au moins avant octobre en fait. Donc on est un petit peu pressé et stressé en fait parce que bah, c'est compliqué, parce qu'il y a plein de gens en fait qui déménagent ici au Texas. Parce que bah, c'est clairement beaucoup moins cher que dans d'autres states. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, jusqu'à présent, j'aurais aimé vous filmer un petit peu ce qu'on fait, voilà, ce qu'on visite. Mais malheureusement, à chaque fois, toutes les maisons qu'on visite, elles sont encore habitées. Donc j'ai pas envie de, bah, de filmer par respect. Pour leurs affaires personnelles, donc voilà. Mais si admettons on en achète une et qu'on l'a, bah, je vous montrerai le avant-après, c'est-à-dire bah, le avant, genre si on doit faire des travaux, bah, le avant des travaux, et aussi bah, je vais pouvoir faire des vlogs au niveau de la décoration, tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'ai jamais pu faire jusqu'à présent, parce que bah, ici j'ai déjà tout ce qu'il faut et c'est pas chez moi. Et puis bah, dans l'appartement de mon chéri, on a ce qu'il faut pour un appartement en fait. Donc du coup là dans la maison c'est vraiment moi qui vais m'occuper de la décoration et je suis trop contente parce que c'est quelque chose que j'adore en plus de les vêtements et tout tralala. Ok, du coup là il est quelle heure il est? 1h29. Du coup je vais chercher la petite au centre aéré. Du coup j'ai récupéré la petite. Regardez ce qu'elle a fait. I'm gonna show them what you did. Say cotton candy. Cotton candy. Wait, no, how do you say cotton candy in French? Barba papa. Barba papa. Here's my box. Don't put it on my ice cream. Okay, let me see what is inside of that. Ooh, a lot of things. Okay, let's go home and we will figure out what we're gonna do. Ok, du coup là on est rentré et ce que je fais quand tu prends c'est que je mets, enfin je vérifie s'il n'y a rien dans son sac qu'il faut enlever, genre si elle a fait des jeux, des coloriages et tout ça, je les jette si elle s'en fout et si elle veut les garder, ben, elle les met dans sa chambre. Donc du coup c'est ce que j'ai fait dans son sac là et après, vu que demain elle a pas ce centre aéré. J'enlève les choses qu'il y a à enlever et je range son sac. Et ensuite, là, elle colorie et peut-être qu'après, elle va vouloir peindre. Et sinon, en général, elle est un petit peu fatiguée pardon. Donc, elle regarde un petit peu son iPad ou elle regarde la télé. Et ensuite, on fait d'autres petites activités si elle veut. Oh, cute! Can I show them? Elle vient juste de faire ça. Cute. Lucy, what do you want to do? I said I want to watch. Okay, and after that, do you want to paint your little ice cream truck? Yeah. All right. Donc là, c'est ce qu'elle veut. Elle veut regarder un petit peu sa tablette et ensuite elle va peindre. Untie them? Du coup voilà, je vous reprends dès qu'on fait une activité parce que là du coup elle va se reposer un petit peu. Donc du coup là il est quelle heure? Là il est 4h30, j'étais au téléphone avec ma maman jusqu'à ce que... Enfin le temps que la petite elle était sur son iPad, comme ça elle s'est un petit peu reposée. Et du coup là on va peindre ce petit camion. Bon elle veut que je commence à le peindre et elle mettra les petits stickers dessus. Je sais pas si vous allez bien me voir. I know, I am showing them that I'm gonna paint this ice cream truck.
Voilà, c'est bientôt le dîner. Donc, je lui ai mis ça et des petites chicken nuggets. Là, je pense qu'elle va faire de la pâte à modeler. So, you want to play Play-Doh, Lulu? Yeah, yeah, yeah. Okay, do you want the other box with all of the toys? No. Okay, just this one? No. Okay. Et du coup, le truc, il sèche. Le camion. Et lui mettre dans une assiette un petit suisse. Mettre une paille là. Du coup, j'ai mis ces petites nuggets là. Là, c'est de la barbecue sauce. Et les petites potatoes sont bientôt cuites. Bon appétit, Wesley. Bon appétit, Carmen. Like, I have a good meal. You don't know, bon appétit. On regarde un film. Movie. La petite, elle va aller se laver, prendre un bain avec son petit frère. Du coup, moi, ce que je fais pendant ce temps-là, c'est que je ferme les volets. Je ramasse ses affaires à terre, forcément. Wait, what are you doing? Just before I sit down, my sister Hannah sits right next to me. That looks like Betsy. Yeah. Hey, I wanted to sit next to Benji. I say, too bad. Hannah replies, I got here first. What should Dala do? Sit in a different chair or try to force Hannah off the chair? Sit in a different chair. Okay, so go to page 14, they said. Hi guys, welcome to this video. Do you like Margot's videos? Because I sure hope you do. Okay, good night. Bon, voilà. La petite, elle est couchée. Du coup, je peux enfin me reposer et relâcher. Donc, du coup, voilà. C'est la plupart du temps comme ça. Qu'est une journée en tant qu'au pair. mais voilà, attention, c'est vraiment comme ça dans ma famille. Je suppose que toutes les au pairs ne vivent pas l'expérience comme moi je le vis. Je me doute bien que chaque au pair a différents emplois du temps. Tout dépend en fait de la famille, si la famille paie des activités aux enfants, combien tu as d'enfants, voilà, tout ça il faut prendre en compte. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir par rapport à ça que c'est pas parce que moi c'est comme ça que toutes les au pairs c'est comme ça. Je voulais juste vous montrer et de vous embarquer avec moi lors d'une journée pour un petit peu vous montrer. Mais voilà, il faut vraiment prendre en compte que chaque au pair a un emploi du temps et une vie en tant qu'au pair différente. Et il faut aussi prendre en compte que chaque au pair vit son expérience différemment. Je veux dire, il y a des au pairs, je pense, qui sont plus tristes que d'autres, ou il y a des au pairs qui sont plus contents que d'autres. Enfin, voilà. Et il y a des au pairs qui vont être plus. Enfin, qui vont prendre plus de temps à s'habituer à la famille que d'autres. Il faut vraiment que vous sachiez et que vous preniez en compte que chaque expérience est différente par rapport à la famille, par rapport à vous-même, par rapport à voilà, plein de choses, l'environnement, où vous êtes, où vous habitez, etc. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas combien de temps elle va durer parce que j'ai filmé sur toute la journée, donc je sais pas comment je vais couper la vidéo, mais je vais faire de mon mieux pour qu'elle soit la plus agréable possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à également commenter la vidéo pour me dire ce que vous pensez en fait de une journée en tant qu'au pair, si vous pensez que c'était comme ça ou pas du tout. Voilà, je vous fais en tout cas plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!
Thank you.